Je vous reprends dans ce vlog en facecam parce que je crois que je ne vous ai pas pris encore dans ce vlog, donc bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Du coup c'est le dernier vlogmas, je voulais le faire beaucoup plus court, juste le faire durer sur le 24 et 25, mais il se trouve que le 24 et 25 décembre, eh bien j'ai pas filmé. J'ai décidé de le faire un petit peu durer vu que j'ai commencé une nouvelle lecture et je me suis dit que ça serait intéressant de vous en parler. Du coup là je viens en facecam pour un gros update et donc on est parti. Je pense que je vais commencer avec l'update lecture. Ensuite je vous présenterai mes cadeaux de Noël qui n'ont absolument rien à voir avec les livres. Et disclaimer, je fais pas ça pour montrer mes cadeaux, tout ça, c'est juste pour partager avec vous parce que je sais à quel point c'est difficile de faire une liste de Noël sans avoir d'idée. Et du coup je me dis que vous montrer, enfin ce que j'ai reçu, ça peut vous donner des idées de cadeaux pour l'année prochaine ou pour plus tard, ou même pas forcément pour Noël, juste comme ça pour faire plaisir. Commençons donc avec ma lecture en cours qui est The Empire of Gold de S.A. Chakraborty, et du coup c'est le tome 5 et le dernier tome de la saga Devourboards, je sais pas du tout comment ça se prononce. J'aime vraiment vraiment beaucoup parce qu'en fait bah, le tome 1 comme vous le savez ça avait pas été fou. Le tome 2 c'était vraiment vraiment mieux et là j'aime énormément ce tome 3. Je voudrais le finir avant 2022, donc avant vendredi, c'est-à-dire avant demain. J'en suis à 60% et j'avais eu comme but de me lire 20% du livre tous les jours, ce que je n'ai absolument pas tenu puisque aujourd'hui j'aurais dû finir le livre. Et j'en suis à 60%, du coup j'aimerais bien arriver à 80% aujourd'hui et lire les 20% restants demain. Et voilà, et je voulais aussi finir les tomes de My Hero Academia que j'avais, donc c'est-à-dire le 19 et 20 avant 2022. Mais je pense que ça va pas être possible, je mets la priorité sur The Empire of Gold, que j'aime énormément. Les personnages sont juste géniaux, ils arrivent à me faire retourner la tête parce que je n'avais Dieu que pour Dara du tome 1 et Ali, je l'aimais pas trop, et puis maintenant Ali et Nari, elle est trop trop bien, même si des fois je suis un petit peu « Girl, qu'est-ce que tu fais ?» Mais genre j'aime trop ce livre, ce qui était absolument pas gagné quand j'ai commencé le tome 1, je voulais même ne jamais lire la suite et je me suis dit non quand même, j'entends de vraiment très bons retours sur cette saga et du coup j'avais très envie de la découvrir et j'ai continué et je ne regrette pas du tout, je regrette juste de pas avoir tant aimé le tome 1. Du coup voilà, je me dis qu'un jour il faudrait peut-être que je le relise. Maintenant pour ce qui est des cadeaux, je vous en parler, je vous mettrai des plans d'insert si je peux pas vous les montrer. Du coup j'ai eu 3 cartes cadeaux, j'en ai eu une de Shein, une de la Fnac et une de Cultura. Voilà, je vais pouvoir me faire plaisir. Ensuite j'ai eu une super belle lampe Spider-Man, vraiment elle est magnifique. Ma lampe elle est trop jolie, Spider-Man, on peut régler l'intensité et du coup j'adore pour le soir mettre une petite ambiance. J'ai eu une lampe LED comme ça, elle est trop trop belle, on peut régler la lumière. Il y en a même qui change la lumière toute seule. J'adore, on peut enlever la plaque et en mettre un autre
Ensuite, j'ai eu une petite tirelire comme ça, Spider-Man, que moi je mets en exposition en haut de ma bibliothèque, si vous avez déjà vu. On va continuer avec les figurines, et j'ai eu la figurine de la nonne, donc Vala qui est en Conjuring et dans la nonne. C'est mon film d'horreur préféré, du coup, si vous savez. Il y a Annabelle, et du coup, j'aimerais beaucoup m'acheter l'homme tordu dans Conjuring 2, parce que vraiment, Conjuring, j'aime trop. Oh, j'adore. Elles sont dans la même rangée que ma Funko Pop nonne. Ne vous inquiétez pas, je ne fais pas de cauchemars avec ces figurines dans ma chambre. On va continuer du coup avec Conjuring, avec l'horreur. Enfin, on m'a offert ensuite Ed et Lorraine Warren. Genre vraiment, je suis trop contente. J'adore Conjuring, j'adore Ed et Lorraine Warren. Je suis trop contente. Et j'ai eu un t-shirt Conjuring, j'adore, il est trop trop beau. Pour rester dans Conjuring, encore une fois, j'ai eu un sticker du moment qui me fait le plus flipper dans Conjuring 1. Vraiment, c'est genre, je n'aime pas ce moment. Voilà, j'ai eu un Sublime stickers que j'ai mis sur mon PC. En vêtements, j'ai encore eu un jogging. Oh, trop bien. Faut savoir que moi, je passe ma vie en pyjama, c'est-à-dire que vraiment, je passe mes journées en pyjama. Bah, du coup, je ne suis jamais habillée. Du coup, avoir ce jogging, ça me fait m'habiller et pas rester en pyjama toute la journée. On a aussi eu un jeu de société, donc là, c'est un peu pour tout le monde. Parce que du coup, dans notre famille à la maison, on ne joue qu'à un seul jeu de société qui est le meilleur jeu de société de l'univers. C'est le Rail d'Europe. Je ne sais pas si vous connaissez. En fait, le principe, c'est juste, on a des cartes destination. On doit faire des destinations. Donc, c'est avec des petits trains qu'on fait. On joue à plusieurs. Enfin, il y a plusieurs personnes qui ont les mêmes destinations. On se marche sur les routes et tout ça. Fan de ce jeu. Vraiment, on y joue depuis qu'on l'a eu. Ça fait des années. Le Rail du Monde, il est énorme. Je crois que c'est minimum 90 minutes de jeu. On va passer nos meilleurs après-midi sur ce jeu, vraiment. J'ai aussi eu un magnifique sac Loungefly Hocus Pocus, j'adore. Vraiment, si vous me connaissez, mais Hocus Pocus, meilleur film d'Halloween. Vraiment, je ne jure que par ce film. J'ai hâte que les deux sortent en 2022. Et du coup, j'ai aussi eu le portefeuille. Vraiment, il est trop joli. Le premier sac Loungefly que j'ai eu, c'était Peter Pan. Et vraiment, je suis trop contente d'avoir celui-ci parce que le Peter Pan, je le mets tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dernier cadeau, j'ai eu cette bague avec la lune et le soleil, elle est trop 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 belle. Je l'aime trop, je suis amoureuse de cette bague. Et du coup, ma soeur aussi a une bague qu'elle a échangée. Je suis tombée sur cette bague-ci. Elle est trop trop belle, j'ai craqué dessus. Du coup, je me la suis prise et voilà, c'est mon cadeau de Noël de moi à moi. Des chaussettes Marvel, donc avec Iron Man, Captain America et Black Panther. Donc là, je peux pas vous les montrer, mais j'adore les chaussettes. Je suis allée au Primark hier, je suis tombée amoureuse de quelques petits trucs. Et... alors il se trouve qu'il y a des chaussettes comme ça, bébé Yoda, donc gros goût. C'est des chaussettes pour la maison, donc c'est des, avec des antidérapants là. En fait il faut les plier pour avoir la tête de gros goût avec ses oreilles, et sinon on voit pas. J'ai pris des sockets, il faut savoir que je ne mets pas beaucoup de sockets. J'ai vu les sockets et j'ai dit il me les faut. Et voilà, c'est encore gros goût. Oh, elles sont trop belles. Celle-ci aussi, et genre j'adore. J'ai pris presque toutes les chaussettes gros goût qu'il y avait. Il y avait encore des sockets avec ma May the force be with you. Mais je me suis dit, je ne mets pas de sockets, juste 3 sockets, ça m'ira très bien. Il y avait un lot comme ça, donc c'est des chaussettes plus hautes, avec ici un petit gros goût brodé. Oh, trop trop mignon. Voilà, je suis trop fan de mes chaussettes. En janvier, on va aller à Disney. Et à Disney, j'y vais tout le temps avec un sac à dos. Il faut savoir que je suis une grande psychopathe. Du coup, je porte mon sac à dos toujours devant. Et c'est un sac à dos hyper lourd. Du coup, bah, ça fait hyper mal aux épaules, hyper mal au dos. C'est trop trop chiant. Et du coup, je me suis dit que cette fois-ci, j'allais me prendre un petit sac comme ça en bandoulière. Bon, là, il est pas serré, mais je vais le serrer. Comme ça, ça sera beaucoup plus pratique. Et voilà, là, il y a quand même de la place. Il y a une pochette ici en plus, et il y en a une autre ici, et comme ça bah j'aurai toujours mon sac genre devant moi. J'espère que vous allez bien, je reviens pour vous faire un petit update sur The Empire of Gold
que j'ai terminé hier, du coup le 31. Du coup j'ai terminé la trilogie de S.A. Chakraborty. J'ai trop aimé ce tome 3. Je trouvais qu'il se lisait très 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 rapidement, que même si je l'ai lu en VO, j'ai eu beaucoup plus de facilité parce que j'avais déjà lu le tome 1 et 2 en VO. Du coup j'étais habituée à la plume au vocabulaire. J'ai énormément aimé les personnages. Quand je repense aux personnages que je détestais dans le tome 1, que c'était Ali, genre dans ce tome 3 je l'aime trop, il est trop bien. Et celui que j'ai un peu moins aimé par contre c'était Nari, que j'ai trouvé un petit peu, parfois elle m'énervait. Elle avait des réactions, des comportements que voilà, des fois ça m'énervait un petit peu. Mais voilà, j'ai trop aimé tout ce qui se passe, l'action. Je me suis pas du tout ennuyée. Je trouvais que ça se lisait assez rapidement. Je l'ai lu en une semaine je dirais. Donc ouais, ça se lit relativement rapidement. Trop contente d'avoir découvert cette trilogie. Et du coup je suis tellement déçue d'avoir pas aimé le premier tome que j'ai trop envie de le relire pour voir si mon avis change. Ce serait avec grand plaisir que je relirais cette trilogie et je pense que je vais le faire. C'est une trilogie que finalement j'ai beaucoup appréciée à la fin. Voilà pour mon avis sur cette lecture. J'espère que le tome 3 sortira rapidement en 2022 parce que oui, ça y est, on est enfin en 2022, la nouvelle année. Je voulais juste vous souhaiter une très bonne année 2022 et je vous souhaite plein de bonnes choses, juste d'être heureux et de profiter. Je vous souhaite une très bonne année. Oui, je voulais juste aussi vous dire que ma cousine est venue à la maison jeudi et elle nous a apporté donc du coup nos cadeaux de Noël. En fait, la figurine que je voulais m'acheter pour compléter la collection sur les figurines dans l'univers de Conjuring, et du coup c'est l'homme tordu. Voilà, je suis trop contente. Du coup voilà, c'est ici que se termine le vlog. J'espère que la vidéo vous aura plu, même si je pense qu'elle est assez courte parce que je vous ai pas dit grand chose. J'espère quand même que vous aura plu. En tout cas je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.